Eh bien, bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je reviens aux vidéos d'ACDC pour attaquer le morceau Thunderstruck, un morceau qui m'a été énormément demandé, qui est sorti sur l'album The Razor Edge. Voilà, j'ai essayé de prononcer correctement. Bref, donc, alors, au niveau du son, bon, j'ai utilisé mon fidèle Triaxis Mesa Boogie. Et j'ai également utilisé maintenant donc, mon fameux caisson insonorisant que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo de Parisian Walkways de Gary Moore. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la partition que je mets à dispo sur le site. Je l'ai entièrement relevé, hein, ce qui fait un bon paquet de pages, que ce soit les parties rythmiques ou les parties solo. Et alors, dans cette vidéo-là, comme j'explique plutôt la partie d'August et la partie rythmique, je n'explique pas le solo dans cette vidéo, donc ne sont relevés dans la tablature relative à cette vidéo que les parties jusqu'au premier solo. Voilà, pour le solo et le solo final d'ailleurs, pour les deux solos du morceau, c'est dans une seconde vidéo. Voilà, donc on va attaquer un petit peu le vif du sujet. Donc là, pour cette vidéo, bon, j'ai pas de Gibson SG, hein, vous le savez, mais bon, j'ai une superbe Gibson Les Paul, donc je m'en sers. Alors, démarrons un petit peu donc avec la partie de Gus, hein, je pense que c'est ce que vous attendez tous, pour jouer un petit peu cette fameuse ritournelle. Etc, etc. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça se passe. Donc vous voyez que déjà, tout est attaqué au médiator. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais sur scène, on le voit, il fait ça avec la main en l'air et tout. Tout à fait, c'est vrai que sur scène, on peut le voir avec des parties légato comme ça. Il fait ça comme ça. Il ouvre le bras avec le bas de compagnie. On peut faire ça avec des hammers, mais si vous écoutez la version album, la version originale, on entend clairement les attaques de médiator. Vous entendez toutes les attaques. Réécoutez l'album, la version de The Razor Edge, pour vous en convaincre. C'est vraiment comme ça que ça sonne. Et non, le son est vraiment pas du tout le même. Hein. Si vous faites ça, si vous faites en legato, que vous faites avec des attaques, le son n'est pas le même. Donc réécoutez, vous verrez que c'est bien ça le son. Bref, donc je vous explique un petit peu en plus. Alors c'est très bien parce que ça permet de travailler donc, la main gauche, la main droite, la synchronisation. Ça vous développe un petit peu au niveau des doubles croches. C'est vraiment un super riff qui fait travailler donc techniquement. C'est donc exactement ce qu'il nous faut. Alors voyons voir, comment est-ce qu'on va commencer? Vous voyez que, alors, ce que je vous conseille de faire au niveau du médiator, au niveau du son, c'est de bien faire attention comment vous allez attaquer ça. Essayez de vous arranger pour que toutes les notes qui vont tomber sur le temps, alors déjà au niveau du temps, je vous fais un petit rappel, ce sont des doubles croches. Donc double croche, 4 notes par temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. En fait, ce sont les notes qui tombent sur l'autre. Toutes les notes qui vont être frottées, donc les notes qu'on va jouer sur le manche, elles vont tomber avec un coup de médiator vers le bas. Ce sont les cordes à vide. À chaque fois, on va venir alterner entre la corde si à vide et des notes qui vont être frottées. Les notes de la corde si vont toutes être attaquées vers le haut. Donc si je vous ralentis ça, ça va faire, vous voyez, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et au niveau du rythme, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ouais. Partout, en fait, toutes les notes frettées sont jouées en bas, toutes les notes qui sont jouées à vide sont jouées vers le haut. Faites très très attention à ça, pour avoir vraiment le bon groove, le bon feeling, et pour pas vous en mêler les pinceaux sans tout. Alors vous voyez qu'on démarre avec un coup en haut d'ailleurs. Parce qu'on démarre un quart de temps avant le temps. Du coup, ça fera... Sachant que la première note qui va tomber sur le temps, hein, ça va être celle de la cascade sur la corde de si. Donc c'est pour ça que je démarre avec un coup vers le haut. Donc attention au niveau de la mise en place, à travailler sur le métronome, dont le tempo est quand même assez rapide, c'est 134 à la noire. Alors montez la vitesse progressivement. Donc vous démarrez. Alors voyons un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc, comme je vous disais, on alterne entre la corde à vide et la cascade pour le premier passage, case 4 et case 7. Donc tout ça sur la corde de si. Ouais, corde à vide que je prends vers le haut, c'est la toute première note. Et ensuite, donc, c'est la seconde note qui commence vers le bas. Vous voyez, 4, 7, 4, 7. Et on va répéter ça 8 fois de suite. 3, 4, 5, 6. Pardon, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on recommence. Etc. Donc on va avoir le premier passage, je vous disais, ce sont les cases 4 et les cases 7. Ensuite, c'est exactement la même chose, mais vous décalez ça d'une case pour aller en 5 et en 8. Vous venez, vous repartez. Donc
vous pouvez commencer par travailler ça à vitesse lente si vous avez un petit peu du mal, ben, c'est ce que je vous conseille. Et pour le travailler, de façon à travailler aussi le déplacement, le faites pas forcément 8 fois, faites-le par exemple 2 fois, et vous vous déplacez. Et remarquez bien, toutes les attaques vers le bas sont les notes fretées, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Alors vous pouvez légèrement muter au niveau de la paume. Ouais, là j'applique un petit mute ici, je pose légèrement ma paume sur le premier centimètre de corde au niveau du chevalet. En plus, ça évite d'avoir des résonances au niveau des deux cordes. Il faut surtout que vous ayez un son très propre. Vous ne devez pas avoir d'autres cordes qui viennent vous gêner, qui viennent vibrer pour pouvoir un petit peu vous abîmer ce que vous allez faire. Donc n'hésitez pas à muter un petit peu. Vous pouvez un petit peu jouer sur ça d'ailleurs. Suivant comment vous allez placer votre main droite, vous pouvez faire varier un petit peu le son. Ouais, là je mute pas du tout. Là je mute. Là je mute pas du tout. Là je repose. C'est simplement en venant poser la paume sur le premier centimètre de corde, hein, comme je vous disais. Alors, c'est une technique que vous connaissez hein, si vous bossez sur mes vidéos souvent. Vous alternez. On travaille ça doucement avec le méator. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et vous tournez. Jusqu'à ce que petit à petit vous réussissiez à gagner de la vitesse. Commencez avec un tempo lent et accélérez progressivement. Soyez pas pressé. Hein. Surtout si vous débutez un petit peu. Enfin, si vous débutez, je vous conseille pas de débuter avec ça. Ça va vraiment pas être facile. Hein. Mais c'est vrai que pour travailler vraiment cette histoire de synchronisation, excusez-moi. Synchronisation main droite, main gauche, c'est vraiment un truc super. On va y arriver. Et vous tournez. Et vous enchaînez. Donc tout ça sur la corde aussi. La descente qui suit. Je pense que vous l'avez entendu. Suffisamment entendu dans l'intro de la vidéo. Donc là, on va arriver. Pareil, toutes les notes fretées sont jouées également vers le bas au niveau du méator. Donc là, on va arriver. Alors. Le premier passage qu'il faut mémoriser, c'est ça. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ce que vous allez pouvoir faire pour pouvoir un petit peu mémoriser tout ça, vous pouvez travailler ça par partie. C'est-à-dire, vous pouvez commencer par. J'ai un problème avec ma voix. Vous pouvez commencer par ce premier segment. Ouais, 1. Commencez par travailler ça, par exemple. Allez, là, je suis en 12, 10, 9, 10. Voilà, commencez par travailler ce premier fragment. Vous commencez doucement. En accélérant progressivement. Sachant qu'alors, ensuite, alors. Vous allez revenir après. Donc, 10, 12, 10, 9, 12, 10, 9, 10, 9. Ensuite, on décale en 7 et on vient en 9. On recommence. Ensuite, le décalage que vous avez ici. Alors, surtout au niveau doigté, je vous en ai pas parlé. Vous pouvez éventuellement faire ça comme ça. Avec l'index et l'annulaire, mais n'hésitez pas, hein, je sais qu'il y en a pas mal entre vous qui ont du mal à travailler avec le petit doigt. Donc c'est l'occasion. Vous savez que ouais, je l'utilise énormément. Ça facilite vraiment tous les doigtés, le fait d'utiliser le petit doigt. N'hésitez pas à bosser ça avec l'index et l'auriculaire, c'est-à-dire le doigt 1, le doigt 4. Ouais, de toute façon, au niveau des doigts, c'est les deux doigts que j'utilise le plus, c'est l'index et le petit doigt en fait. Après, suivant dans la position dans laquelle je me trouve, soit je vais utiliser les doigts 1, 2, 4. Soit les doigts 1, 3, 4. En tout cas, ceux qui travaillent le plus chez moi, c'est vraiment l'index et le petit doigt. C'est une habitude que j'ai prise. Donc je vous disais, alors ici, au niveau doigté, c'est pareil. En plus, ça vous permet d'avoir toujours la main bien parallèle par rapport au manche. Et franchement, ça facilite au niveau des positions. Donc là, j'utilise le petit doigt, le majeur, l'index. Après, bah, du coup, parce que vous décalez ici, index avec A7, hein. Le troisième doigt, il tombe en face, on va pas chercher autre chose. Et là, c'est pareil, on décale ici de deux cases. Index et le troisième doigt qui tombe à la case 7 cette fois-ci. Donc ça nous fera... Vous voyez que c'est vraiment hyper logique au niveau doigté. Vous
fait, la fin, 1, 2, 3, 4, on va voir 4 fois l'alternance entre l'index à la case 4 et le majeur à la case 5. Ils vont monter. Pardon. Je refais en ralentissant un petit peu. Et vous tournez. Ouais, n'hésitez pas à travailler par fragments comme ça. On sent que je l'ai fait beaucoup tourner, hein. C'est clair. Voilà, donc ça c'est pour cette première partie de August, petite ritournelle vraiment sympathique. Alors, donc vous voyez, j'ai changé de guitare, j'ai pris ma fameuse guide, enfin ma fameuse, elle n'est pas à moi, on me l'a prêtée, je le rappelle, il faudra que je la rende un jour d'ailleurs. Alors, donc on va attaquer un petit peu donc avec la partie de Malcolm, qui est vraiment assez intéressante à faire tourner, pas forcément facile, il faut réussir à le tenir au niveau endurance. À la limite, je trouve ça plus difficile à tenir que la partie d'August. Ouais, comme quoi... Enfin, c'est mon avis personnel. Donc, on va attaquer cette partie-là. Alors, vous allez voir que c'est pas si facile que ça, donc je vais vous le décomposer un petit peu. Donc là, au niveau de l'accord, c'est simplement un 6-5. Donc là, pour faire le 6-5, la position n'est pas compliquée. L'index à la case 2 sur l'accord de La. Le troisième doigt sur la case 4 de l'accord de Ré. Et le petit doigt sur la case 4 également de l'accord de Sol, pour voir ce son-là. Voilà. Case 2, case 4, case 4. Avec index, troisième doigt et quatrième doigt. Au niveau position, c'est pas mal. Donc, alors, comment est-ce qu'on va faire tourner ça? Donc, on reste bloqué. C'est pas la peine de venir bouger au niveau de la main gauche. Vous pouvez très bien rester bloqué au niveau de la main. C'est comme ça que je le fais. Et vous allez vous muter vos cordes au niveau de la paume, au niveau du chevalet. Voilà, ce qu'il faut réussir à choper, c'est ce groove, c'est ce riff. Et les coups de médiator sont très importants, donc je vais vous les donner, bien évidemment. Mais qui sont de toute façon tous relevés hein, dans la partition. Donc là, on va démarrer. Donc on a notre position, on démarre avec un coup de médiator. On démarre sur un temps. Donc on est sur les temps, sur le temps, sur la corde La à la case 2. Donc là, je démarre avec un coup de médiator vers le bas. Ça fait bas. Donc, un coup vers le bas sur la corde La. On va sauter une corde, on va la prendre vers le haut, on prend la corde de Sol. Et on récupère à nouveau la corde de La ensuite. Ça fait bas, haut, bas. Donc on a trois notes. 1, 2, 3. Et un coup en bas, un coup vers le haut sur Sol, un coup en bas. En butant légèrement tout ça. Voilà. Et sur le deuxième temps, donc là on démarre sur le premier. Là on arrive sur le deuxième temps. Sur le deuxième temps, on va attaquer vers le bas. Et on va prendre la corde de Ré et la corde de Sol en prenant les deux cordes ensemble. Voilà, au médiator, bas, haut, bas, bas. Voilà, bas, haut, bas, bas. Pensez bien à ces coups de médiator, rappelez-vous, c'est super important si vous voulez vraiment avoir le groove et réussir à avoir le même son que Malcolm. Ensuite, voyez, on arrive ici vers le bas avec les deux cordes ensemble. Ensuite, la corde La, un coup vers le bas. La corde Ré cette fois-ci avec un coup vers le haut. Alors, je démarre à partir du deuxième temps. Ça fait bas, bas, haut. Ouais. Et ça va se terminer avec un coup en haut sur Sol, un coup en bas sur le La, et à nouveau sur l'accord de Ré et Sol vers le bas. On fait. Et on a une dernière attaque sur l'accord de La qu'on va jouer vers le bas également. Je le ralentis encore un petit peu. Bas, haut, bas, 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 haut, haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut, haut, bas, bas, bas. Je le refais. Alors c'est pareil, il faut réussir à bien le tenir. N'hésitez pas à le bosser au métronome doucement. Pardon. Et vous accélérez progressivement.
jusqu'à réussir à tenir la cadence, ce qui n'est pas forcément évident à tenir. Etc, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment le riff, je pense, c'est le riff le plus difficile hein, au niveau rythmique par rapport à ce morceau-là. Le reste, c'est vraiment des choses habituelles qu'on a l'habitude de voir. Je peux vous parler éventuellement un petit peu donc, du riff du refrain. Donc alors ça part. Alors, ça c'est la partie du riff du refrain. Donc pour jouer ça, on démarre sur le même 6-5 qu'on vient de voir. Ensuite, on a l'accord, notre fameux La en barré. Hein. Prenez l'index, si vous avez déjà travaillé à Highway to Hell, c'est exactement la même position d'accord. On est avec l'index, on barre à la case 2. Alors rappelez-vous, cette position-là, c'est une contraction du La, le La en position classique, avec le majeur, l'annulaire et le petit doigt. En fait, on va remplacer nos trois doigts avec l'index, donc sur les cordes Ré, Sol et Fi. Alors surtout, venez pas trop avec l'index, hein, parce que si jamais vous venez trop avec l'index, vous supprimez la fondamentale de l'accord, qui est l'accord de La. Donc il faut qu'on ait l'accord de La à vide. Donc case 0 à vide. L'accord de Ré, case 2, l'accord de Sol, case 2, l'accord de Si, case 2. Donc je reprends. Ensuite, comme souvent dans les morceaux d'ACDC, on a un Ré majeur. Donc là, on joue sur l'accord de Ré à vide. Case 2 avec l'index sur l'accord de Sol. Case 3 avec l'annulaire sur l'accord de Si. Et le majeur sur la case 2 de l'accord du mi-aigu, pour voir ce son-là. Je pense que vous devez quand même suffisamment voir la position. Donc je refais sur un riff. Ensuite, on va muter légèrement l'accord de mi grave, avant de prendre à nouveau notre la. Et éventuellement, vous pouvez enchaîner ça après avec un mi majeur, peu importe, ou alors... Simplement avec c'est pas mal, c'est ce que je fais souvent, parce que c'est vrai que par rapport à cette position-là, on n'entend pas l'accord de Sol sur notre version originale. Donc on peut simplement se contenter de monter le barré. Et cette fois-ci, donc de monter le barré, on va jouer sur l'accord de mi grave. Ça fait comme si on faisait un mi 5. Hein. L'accord de mi grave, l'accord de la prise avec l'index à la case 2, l'accord de ré prise avec l'index à la case 2. Donc notre riff, on riff du refrain. Ça tourne. Alors c'est pareil, faites attention au niveau de la mise en place. Le premier accord, le Si, tombe sur un temps. Par contre, le La, il sort un contretemps. Ça fait temps. Là, on est sur un contretemps. Le Ré tombe sur un temps. De toute façon, la mise en place, vous avez tout au niveau de la partition. Le Ré. Là, le La, il sort un temps. Et le mi grave à la fin également sur un contretemps. Voilà, donc ça vous fait un petit peu quelques riffs à travailler sur ce superbe morceau. Donc, alors, qu'est-ce que je peux vous rajouter? Bah écoutez, pas grand-chose. De toute façon, rendez-vous sur la deuxième vidéo dans laquelle je vais pouvoir vous parler du solo. Vous allez pouvoir la trouver sur mon site. À tout de suite. Bye bye.